Voilà, enfin, on a les kin Bakolo Masolo TV. Voilà, c'est le pasteur Moïse dans Bakolo. Dans Bakolo Masolo TV. Tout travailler sous bien. On a l'opinion Congo. Unité, vous avez dit qu'elle ne pouvait plus prévaloir. Mais il y a des gens qui sont en prison. Des personnes qui ont été jugées dans le cadre du procès de l'assassinat de votre père. Un procès qui a été décrié par les organisations de droits de l'homme comme un procès inique. Parmi ces gens, il se peut qu'il y ait des innocents. Est-ce que, Monsieur le Président, vous avez l'intention de rouvrir ce procès un jour ou bien de prononcer une amnistie? Merci. Amnistie ou non pour ceux qui ont été condamnés à l'assassinat du feu mon père, Laurent Désiré Kabila. Écoutez. Il y a eu deux ou trois assassinats aux États-Unis de présidents de la République. On a amnistié combien de ces assassins? Vous savez, la démocratie, c'est aussi la justice. C'est la troisième fois que M. Zaltman me pose la question et je lui ai toujours donné la même réponse. L'affaire se trouve entre les mains de la justice. Je ne suis ni le président de la Cour suprême, ni le procureur général de la République d'ailleurs, ni l'auditeur. Alors, je n'aimerais pas ici influencer la décision de la justice congolaise. Et puis, qui a tiré ou qui a commencé? Joseph Kabila est mal à l'aise. Écoutez. Abonnez-vous sur notre chaîne Bakolo Masolo, partagez cette émission. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Qui avait commandité la mort de Laurent Désiré Kabila? Qui avait organisé l'exécution de Laurent Désiré Kabila? Vous allez le savoir tout au long de cette émission si vous me donnez votre temps, votre attention. Laurent Désiré Kabila est mort. Bah, assassinat qui est? Le 16 janvier 2001, n'a pas l'un des marbres, à bout portant par l'un de ses gardes à Kadogo, qui est Rachidi. Chiribagula, qui est à l'escalier, qui voulait aller attendre vers le garage, il voit l'autre en train de sortir dans la précipitation, semble-t-il, avec son arme à la main. Chiribagula voit aussi M. Mota en train de le poursuivre, criant sur lui qui vient de tirer sur le chef de l'État. Chiribagula affirme avoir tiré une balle sur Rachidi dans la jambe et il est tombé. Mais subitement, Eddie Capend viendra avec Klachnikov pour achever Rachidi. Et Chiribagula affirme même qu'il a empêché Eddie Capend. Laissez-les qu'il parle. Et dit qu'à peine dans la colère, d'ailleurs, les questions qui lui étaient posées sur ça, lui-même dit que c'est. Il avait achevé, effectivement, parce qu'il était dans la colère. Alors, qu'est-ce que Rachidi avait fait pour que Laurent Désiré Kabila soit exécuté, soit assassiné? Je vais vous expliquer. Soyez attentifs. Dans les poches de Rachidi, Rachidi a battu, mais des cartes de visite des diplomates américains vont être retrouvées dedans, dans ses poches. Avant cela, avant l'assassinat, Georges Mirindi était déjà arrêté parce qu'en connivence avec
des agents de renseignement de la CIA à Kinshasa. Il était déjà arrêté. Mais pourquoi on l'a gardé encore autour dans la sécurité du chef de l'État? Point d'interrogation. Il avait été libéré. Il était libéré à l'époque. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui les démontraient qu'ils étaient en rapport avec tout cela. Des militaires gardes du corps d'un président, des rapprochés, avec des cartes de visite des diplomates étrangers. C'est-à-dire, il y a des contacts privés qu'ils prenaient, en dehors des règlements qui devaient régir la sécurité rapprochée d'un chef de l'État. Rachidi na Georges Mirindi, qui était sur place, na zong sibino ne bandelibo pour vous faire comprendre, na me mabino quelque part pour comprendre révélation ni nana ipsabino. Rachidi a koti na kati ya bureau ya Laurent Désiré Kabila. Par la porte, na arme na bimisi arme na e, abeti Laurent Désiré Kabila masas na lokolo, nanzoto na mutu Laurent Désiré Kabila sur place, et puis Rachidi a bimi. Tango Rachidi a bimi, ton Rachidi Abimi, tozalaki na conseiller Nono Lutula. Ce conseiller était conseiller de Laurent Désiré Kabila à la matière de sécurité. Alandi Nono Alandi Rachidi azo ganga na Swahili que babeti Laurent Désiré abeti Laurent Rachidi abeti Laurent Désiré Massas abeti Laurent Désiré Massas. Abetaki Nono abetaki Rachidi Masasi na makolo. Rachidi akoyi koya ya edi kapena ye sur place wana azu abeti Rachidi Masasi na nzoto. Rachidi akufi sur place. Et puis Georges Mirindi wa bango zele liboso ya palais de marbre pona kima a monique Rachidi Azoyate, Georges Mirindi Asanini, Akei. Je n'ai pas de théorie. Je n'ai aucune théorie. La bonne théorie peut seulement résulter d'une commission d'enquête ad hoc. Et cette commission d'enquête a présenté, laquelle on a institué, a présenté des versions qui ont conduit à des doutes et à un flou là, politiser les procès suffisamment pour qu'il n'y ait jamais de vérité. Donc c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir une idée. On peut juste lire la presse. Qu'est-ce que la presse pourtant, pour nous, c'est très clair. Rachidi, oui. Rachidi a tué Kabila. Et Rachidi est sorti en courant. Si. Et puis il a été abattu par Chéri Makoula, qui l'a tiré dans les pieds. Oui. Et puis ensuite, Edi Kapène est venu l'a exécuté. Mais Rachidi devait quand même avoir un plan de fuite qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous étiez dans ce plan de fuite. On peut dire ça. On peut dire ça. Quand les gens veulent dire quelque chose, vous ne pouvez pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent dire. Mais la vérité est autre. Rachidi Chiribagoula en tirant sur Rachidi. Chibagou n'a pas vu Rachidi tuer Kabila. Il a tiré sur lui, pourquoi? Parce qu'il a vu Mota courir, dire non, il vient de tirer sur le chef de l'État. Oui. Imaginons Mota. Si on peut imaginer que des balles viennent ici, si on sait les coups, ce que ça peut faire. Mota, un civil, qui va courir derrière un militaire. Mota n'a même pas peur que cet homme-là qui vient de tuer, lui aussi, on peut le tuer. Mota, il est qui ici pour qu'il puisse courir derrière quelqu'un? Chiribagoula avait entendu les coups de feu. Et il voit Rachidi sortir en courant du bureau. Oui, qu'est-ce qu'il pouvait ne pas dire à Chiribagoula que peut-être Rachidi courait pour une ou une autre raison? Est-ce que Chiribagoula a eu le temps de communiquer avec Rachidi? Est-ce que Chiribagoula a d'abord vu que les dégâts que Rachidi aurait commis? Est-ce que... Donc, c'est très flou. Soyez attentifs, Siko et Siko. Dans un Sibino Nassima, Laurent Désiré Kabila a salaki troupe. Yaba Kadogo pour chasser Mobutu na pouvoir.
Na troupe na a recruté qui batou et belé. Oyo, batou bazagi na sous na responsabilité wana. Et zala ki commando. Masasu. Il y avait un commandant Masasu qui travaillait avec Laurent Désiré Kabila. Yemoutou a chargé qui pour recruter Bakadogo, pour former Bakadogo ensemble dans Laurent Désiré Kabila. Et puis, Georges Mirindi, na Rachidi Oyo, et dit Kapen Aboma, nde bazala ki parmi batu Oyo commando Masasu Abanda ki ko Kokamba. Ba formé batu. Avec l'appui ya Mozambique, Burundi, Uganda, na Rwanda, né Laurent Désiré Kabila a pénétré ki na mboka, a bengana ki Mobutu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Laurent Désiré Kabila comprendre que commandant Masusu, yende commandant Masusu, a commis qu'on soit en plaire. A eu confiance. Yaba Kadogo Nyonso ou a formaki. Commandant Masusu a komaki neti danger pour na pouvoir naye. Vous savez, Laurent Désiré Kabila, lorsque a koti na mboka ou a kota ki na barkor rebele. Alors, tant que Laurent Désiré Kabila a pesi mou Congo, y a ba Rwandais ba corps ou y a signé qui par-ci par-là, pesi ba mou Congo, na ba occidentaux, na ba diamantifère, ba libanais. Donc, Laurent Désiré Kabila, pour les biens, ma kamboisa la ke zaki pour na bien yamboka. Maintenant, pour les ennemis du pays, ou bato ba nga ko piye mboka, ko balkanize mboka, ko iba richesse mboka, les États-Unis. Oh, Laurent Désiré Kabila, pesa ki ba mou konga kena ki osa lié na Iran, na Chine, l'autre pays, j'ai oublié, ce que yon rappelé bino. Oh, pe, ba Libanais, oh, ba yon ki osa la makamba ba diamant na Congo, oh, Laurent Désiré Kabila, a tira ki ba mou ba condition, oh, yo, ba mou ba zozoa, minere na biso, biso to profite na liquide pour réaliser le projet, les projets qu'il avait pour la République démocratique du Congo. Ba mona ke onke oyo bazo bzwa na o bazo pesa bazo beneficier ne lokote bakuma ki ba libanais bakuma ki pe daba israélien à cette époque bakuma ki pe ennemi ya Laurent Désiré Kabila les États-Unis Laurent Désiré Kabila pesa ki mon Congo les Rwandais oyo basina ki les Rwandais le Ougandais le Congolais ngambu bas Brazzaville donc Laurent Désiré Kabila kuma ki na be ennemi ebele. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait sécuriser le pouvoir. Sécurité n'est pas makasi pour ne pas tomber. Alors, à lire à mon aki makamozo que Nathalie commanda Masusu. Il y a mon aki yeneti danger pour naye. Laurent Désiré Kabila mon aki danger pour naye. Que aninga ki asa la tentative. Il y a coup d'état pour na Laurent Désiré Kabila on a pouvoir commandant Masusu a remplacé Laurent Désiré Kabila. Alors Laurent Désiré Kabila a zuli kangisi il a éliminé commandant Masusu 3 mois avant son assassinat a éliminé commandant Masusu bakangie na bakangie na garde naé comment on appelle garde naé assistant à commandant Masusu. Et pendant le procès on reproche à Masasu de vouloir renverser le pouvoir de Kabila. Masasu se met debout, il dit à tout le monde qui était devant là, mes relations avec Kabila ne dépendent pas de vous. Kabila, c'est mon père. Kabila, si le pouvoir aujourd'hui, c'est moi qui l'ai voulu. Si j'ai des problèmes avec Kabila, ça se règle entre lui et moi. Pas vous.
et il s'est tué. On l'a traité d'être orgueilleux, d'être têtu. Il s'est tué, il n'a plus parlé. Ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est passé devant moi. On est passé sur d'autres considérations. Et puis, le jour du prononcé, on les condamne à mort, on exécute. Voilà ce qui s'est passé. Babomi, commandant Masusu, assistant Natikali. Alors, il y avait des conséquences très graves. Tongu Baboma qui commanda Masusu, il y avait les conséquences très graves. Oye, et affecta qui armée, il y a Laurent Désiré Kabila, oye, c'est qui composé na Bakadogo. Bakadogo nyonso ba monaki. Que mouta forma ki bango, mouta kolisi bango, mouta pesi bango makasi saneza commanda Masusu. Comment Laurent Désiré Kabila abomi commanda Masusu na ndenge bazaki na bango bien? Laurent Désiré Kabila avait dépensé des millions pour en finir avec les Rwandais, les rebelles au bazaki na est. Après la mort de commandant Masusu, tous les soldats Kadogo de Laurent Désiré Kabila ont abandonné ba armes lourdes, ba chars de combat na bango batiki nyoso bakeyi. Pourquoi Laurent Désiré Kabila a permis l'exécution de commandant Masusu? Voilà pourquoi Rachidi na Georges Mirindi oyo bazalaki pe na se ya makolo ya koyekola na ndenge bakomaki na ezaki grâce ya commandant Masusu. Peut-être batikalaki na N wana Kanda wana, ne Laurent Désiré Kabila abomi commandant Masusu. Na Kanda wana, les ennemis du pays, les ennemis oba bango ko combattre Laurent Désiré Kabila, ba profiter na Kanda oyo, rage, haine oyo, Rachidi na Georges Mirindi batikala ki nango, ba s'associer nae. Pour vous rappeler, commandant Masusu azalaki commandant oyo organisaki armée ya Laurent Désiré Kabila ba Kadogo bomoni ba Kadogo wana one ba bengana ki ba Mobutu au pouvoir ezaki chapeauté organisé formé par le commandant Masusu oyo Laurent Désiré Kabila a permetta ki ba bomaye. Alors Tangu Rachidi na Georges Mirindi ba moni wana babi non banguna ba salié na bango entre autres les États-Unis, les Libanais, les diamantaires libanais et israéliens, les Rwandais, les Ougandais ba sangani pour faire quoi? Accomplir la mission Oyo. Oyo Bazala qui n'ango yoko éliminé Laurent Désiré Kabila qui n'avait pas voulu céder notre pays, un seul centime de notre pays au Rwandais, qui n'avait pas voulu que Batouba yana mboka nabiso ba pillé ba richesse nabiso sans pour autant RDC et profiter na eloko. Donc, bah, comment qui, de la même manière, les Rwandais, les Américains ont soutenu Laurent Désiré Kabila à chasser Mobutu, et ça, de même manière, bah, on peut se comploter qui contre Laurent Désiré Kabila. Tant qu'on appelle ça qui bango, Mukongo. Alors, Georges Mirindi, na Rachidi bazalaki déjà na palin de marbre. Na palin de marbre bazalaki wana Rachidi akotaki na bureau a accomplir mission nae kobimazo bimamutalandie abetie masasi na makolo edi kapen aye
Abeti Rachidi Masasi Akufi. Et puis même Edi Kapen Akena RTNC. Ko annoncé que boz à la calme et l'autre zali na sengi na ba militaire baz à la calme. Et là on a pe, nous ne sommes pas ici venus parler d'Edi Kapen, mais et là on a pensé ali que banguna bazwa piste balo bakete anga sala tant asali anga azwa pouvoir il y a Laurent Désiré Kabila azali pe parmi kouana. On va pas en parler na épisode oyo. Et puis, chose grave, tant que Babomi Rachidi, ba vérifier dans ma poche à Rachidi, ba kouti ba carte de visite ya ba américain. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Rachidi, kouwa salaki, ba carte de visite anan, ba pesa ki ba numéro konso, tant en récit, on a kouwa anan, abe nga ba ke kouwa eza reçu. Mais malheureusement, ba beta ki déjà ba boma ki. Nanana senga Rachidi il fallait à Azala. Rachidi il fallait à Azala. Pe baba vérité mususu. Mais Rachidi déjà kei. Mais muto akokaki ko muto atikali neti bibliothèque. Na makambo nyoso eza Georges Mirindi. Oya zelaki Rachidi liboso ya porte. Pona Rachidi matana mutuka kene me Rachidi a quitté akei. Kokene ya Georges Mirindi akendaki akendaki ko batama na immeuble ya ba diamantifère diamantaire plutôt ya ba diamantaire libanais oyo tongu aner ayeko ye bakete Georges Mirindi ya batami wana ale bakiei na immeuble wana bakangi Georges Mirindi bazui 11 libanais babemi bango na nsele babomi bango ba beti bango ba massacrer bango et puis na suka babomi ba libanais wana tong babomi ba libanais na bazui Georges Mirindi bakangie ba tien na prison bazui nono monsieur nono Lutula conseiller en matière à sécurité ya Laurent Désiré Kabila bakangi bazui Antoine Vumila Mouindo, Oazaki chef ya honneur na époque wana service à renseignement bakangi. Tosuki wana. Tong bakangi bango. Procès ya Laurent Désiré Kabila et Fumwami. Georges Mirindi, premier jour, akende. Ko samba. Procureur juge à tout nier. Oso reconnaître que Osala ki complot pour na baboma Laurent Désiré Kabila. Alobi oui. Andima ki yango liboso ya écran, liboso bazouzi, alobi oui. Mais batounye soussou. Bimi se la biso kombo ya batounyoso. Obo sa kina bongo complot bobo ma Laurent Désiré Kabila. Abi aujourd'hui nazan la mesure te je ne suis pas en mesure ya kobimisa. Kombo ya batunyon soana me lobby sans faute na kobimisa kombo batunyon soana. Batunyon isusu. Nenge nini Laurent Désiré Kabila akufaki. Georges Mirindi a lobby nini. Abi lobby na ko explique bino. Nenge nini to sa ki mission avec les gens ni to sa ki mission lobby na ko explique bino. Lelo je ne suis pas en mesure y aurait bisabino bilo ko nyon soana. Quand vous voyez la illustration de la vidéo, vous sentez qu'une personne il est en train de parler, il est à l'aise. Georges Mirindi, bonjour mon Georges Mirindi, bas zongisien à prison. Georges Mirindi a kimi na prison, a évadé na prison. Lobi bazo zela epona lobi misa ba vérité. Lolo la pourquoi? Georges Mirindi a évadé na prison. Alors. Chef ya aner, directeur ya aner. Oye, alela ki, aloba ki ke, azagi na kamera kache na katia prisonne. Aloba ki ke, bakangi bango baza ba sacrifice. Ya makambu oye, ba sacrifice bango po na kaka bakanga, ifaleka bakanga batu.
Abina, pourquoi Georges Mirindi baye ko zoye et pas Kasongo Kasongo Tcham Tcham aye ozoye ozaki directeur enseignement aye ozoa Georges Mirindi azui major boya azui bayati aibisi bango ke bino bobomi mokonza mboka bozane nazo torturer babino nazo torturer bino kozoa zui bango akoti bango ndako mo babomi mwinda et lobi nango na tongo Bayo kwa ke Georges Mirindi Akimi. C'est trop flou. Donc bato déjà basa ki mission na bango bakanga ki ba innocent ba fanti ba innocent na prison ba innocent mususu ba fanti ba na prison bakanga ki ba innocent mususu ba sacrifia ki ba via bat musu tant o bat musu ba ko sa blo ba che ba na prison pour organiser coup o bango ba organiser ki wana. Georges Mirindi ayo Akimi. Georges Mirindi a mon anité. Akimi a s'évadé. Et puis, basambisi, batou, bakoko sambisa, Bedi Kapen et les autres, bakondane bango. Et l'oko ya bien salakina, juge Joana, alobakinin. Alobaki que procès à Laurent Désiré Kabila n'est pas terminé. On va continuer les enquêtes. Et si loin, allez, quelques temps après, Bademir, Balongoli, Jijouana, n'a pas fonction, nous allons continuer les enquêtes, il y a Laurent Désiré Kabila. Pourquoi Balongola qui est en fonction? Je vais vous expliquer tout au long de cette émission. Alors, le chef, le directeur des renseignements et service à renseignement, Anero Bakangaki, Nakoma Antoine Vumila Mouindo, y est passé Vadaki na 2011, 10 ans après. A se déguisé qui na moisi, tant à se déguisé qui na moisi, à se déguisé, à se vadé na minute Azana. Azana Suède. Vous allez comprendre que les accords où Laurent Désiré Kabila a signé qui pour chasser Mobutu, ils ont même accord où Emila qui et Bomaki Laurent Désiré Kabila et Mela qui y est. Ami fidèle internaute. Vous avez vraiment suivi les informations qu'on vous a données. Vous étiez très attentif et en suivant les informations qu'on vous a données, on m'a signalé que le temps est coquille par les caméramans. Mais le deuxième épisode est aux alas dans prochain jour. Restez connectés. Abonnez-vous sur votre chaîne Bakolo Masolo, aimez l'émission, partagez l'émission, commentez l'émission. Donc, je vais vraiment, dans le deuxième épisode de cette émission, ça va me prendre plus de 40 minutes. Dans Relaxabino, je vais tout balancer, tout démontrer. Il y aura d'autres vidéos, peut-être Relaxabino, pour monde, pour comprendre qui sont les ennemis de notre pays. C'était votre humble serviteur, Joe M.K. Mukwaya, chef Mukwaya Jonathan, qui était devant vous, en train de vous révéler toutes ces choses, mais faute, il y a tant. Voilà pourquoi, Tosuki Awa, restez connectés, scotchés. Abonnez-vous sur notre chaîne Bakolo Masolo TV. Aimez l'émission et partagez l'émission. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Vous avez un peu ça, là. Parce que les mouilles.
Voilà, enfin, on a l'équipe dans Bakolo Masolo TV. Voilà, c'est le pasteur Moïse dans Bakolo. Dans Bakolo Masolo TV. En tout cas, pour travailler sous bien, on a le Congo.